Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, Eduardo Dos Santos, président de l'Angola, Teodoro Nguema, président de la Guinée équatoriale, Paul Biya, président du Cameroun, Faure Gnassingbé, président du Togo, Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, et Omar Bongo, président du Gabon. Apparemment, ces messieurs n'ont pas daigné se rendre à leur procès. Oui. Bon, en ce qui concerne monsieur Omar Bongo, il a une bonne excuse, il est décédé. Dans un hôpital de luxe à Barcelone. Quand un chef d'État préfère se faire hospitaliser ailleurs que dans son pays, c'est déjà révélateur de la confiance et de l'intérêt qu'il nous porte. Excusez-moi, je ne savais pas qu'il existait une loi qui interdisait de se faire soigner à l'étranger. Bon, quand même, on peut regretter qu'en 40 ans de règne, monsieur Bongo n'ait pas fait construire un seul hôpital digne de ce nom. Alors, pardon. Messieurs, je vous rappelle que ce procès ne concerne pas les affaires internes des pays concernés, mais les biens mal acquis supposés de leurs dirigeants. J'aimerais ne pas avoir à le répéter tout au long de ce procès. Excusez-moi, monsieur le président, mais par trois fois, le parquet de Paris a reconnu mes clients innocents. Alors quoi? Maintenant, dès qu'on va contester une réquisition, on va faire une pièce de théâtre, c'est nouveau, ça. Le parquet de Paris n'a pas innocenté vos clients, maître. Il a seulement jugé insuffisantes les preuves de recel, de détournement de fonds publics. Moi, c'est pareil. Et ce n'est pas une pièce de théâtre qui changera quoi que ce soit. Bon, elle a le mérite d'ouvrir le débat, tout de même. Maître, le parquet de Paris représente la justice et la justice est au service du peuple. Si ce soir, le public décide que les accusés sont coupables, ça sera un camouflet pour la justice, il faudra bien le reconnaître. Mais quant à vos clients, maître, rassurez-vous, ils continueront à bénéficier de l'immunité diplomatique. Et comme vous l'avez si bien dit, maître Cherva, ce n'est que du théâtre. Oui. Mais excusez-moi, monsieur le président. Et que faites-vous de l'honneur? L'honneur de mes clients, traités comme des voyous. Justement, si le public les déclare innocents, eh bien, ils seront lavés de tout soupçon. C'est bien ce que vous voulez, non? Excusez-moi, il me semble que c'est la moindre des choses. Bon, vous disposerez tous les deux du même temps de parole. Et pour l'instant, la parole est à l'accusation. Maître Cherva, je vous en prie. Merci, monsieur le président. Alors, mesdames et messieurs les jurés, les faits qui nous réunissent ce soir sont tellement accablants que le temps imparti à ce procès ne devrait même pas excéder 2 minutes. En effet, on peut considérer, dans un divorce, que les torts sont partagés. On pourrait même trouver des circonstances atténuantes à un meurtre. Mais là, nous sommes face à des chefs d'État d'anciennes colonies françaises, pour la plupart, beaucoup plus préoccupés par leur fortune personnelle que par le sort de leur pays. Des hommes d'une cupidité insondable, qui siphonnent les revenus pétroliers, détournent les aides humanitaires au détriment, bien sûr, de leurs concitoyens. Mais il n'y a rien, ni aucune loi au monde ne peut justifier une telle injustice, ni une telle corruption, parce que, évidemment, c'est bien de cela dont il s'agit. Une corruption tellement grossière qu'elle se voit à vue d'œil. Il suffit de comparer leur salaire avec leurs dépenses. Alors, vous avez tous entendu parler, bien sûr, ce proverbe « bien mal acquis ne profite jamais ». Ah, je vais vous prouver le contraire. Dans un instant, vous allez découvrir le patrimoine immobilier que ces hommes possèdent en France. Mais de toute façon, vous avez déjà entendu parler des phrases que de certains d'entre eux. Vous avez entendu parler, par exemple, de Bocassa, qui s'est autoproclamé empereur en 1976 et dont la cérémonie a coûté l'équivalent de l'aide financière française accordée pour la France, pour la Centrafrique, excusez-moi l'absus. Oui. Pour la Centrafrique cette année-là. Vous avez aussi entendu parler, par exemple, du général Mobutu. Mobutu Sese Seko Wesabanga. Je ne résiste pas au plaisir de vous le traduire. Alors ça donne le guerrier tout-puissant qui, grâce à sa volonté inflexible de gagner, ira de conquête en laissant une traînée de feu dans son sillage. Oui, ce serait comique si ce n'était pas si tragique. Parce qu'effectivement, Mobutu a ruiné son pays. En se constituant, bien sûr, au passage, une cagnotte personnelle de 6 milliards. Alors, c'est une broutille à côté d'Umfu Boni qui, lui, à sa mort, a cumulé une fortune personnelle estimée à 12 milliards, c'est-à-dire un montant supérieur à la dette de son pays. Bon, enfin, les exemples sont nombreux. Je ne voudrais pas vous donner la nausée. On vient à peine de commencer. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Retenez simplement que l'argent détourné par des chefs d'État au cours des dernières décennies est estimé à 180 milliards de dollars. Alors c'est tellement énorme que ça ne peut rien dire. Et certains pourraient penser que c'est injuste, mais bon, que peut-on faire? Et puis, en quoi cela nous concerne? Eh bien, je vous rappelle ou je vous informe que cet argent détourné
est en partie le vôtre. Vous participez à l'aide au pays en voie de développement. Alors, c'est un impôt, bien sûr, que personne ne conteste. À condition, s'il vous plaît, que l'argent des pauvres des pays riches ne profite pas aux riches des pays pauvres. Il est temps de lever le voile sur cette criminalité économique internationale. Et c'est pourquoi je réclame, monsieur le président, tout naturellement, eh bien, je réclame la confiscation de tous ces biens mal acquis au bénéfice d'une société civile de leur pays pour construire des hôpitaux, des écoles, enfin toutes les infrastructures élémentaires qui manquent cruellement à ces pays. Et franchement, mis à part les accusés et leur entourage qui profitent impunément du système, je ne vois pas qui pourra aller contre une telle décision de justice. Merci, maître.